Meghan Markle est connue pour son activisme et son dévouement. La duchesse de Sussex n'essuie pas que des critiques. Le réalisateur Tyler Perry raconte comment Meghan Markle a été l'héroïne de cette famille dans le besoin. Meghan Markle n'a pas toujours besoin de se lancer des fleurs. La duchesse de Sussex, 41 ans, peut compter sur quelques amis pour rappeler à qui veut bien l'entendre qu'elle est une femme de cœur. Le réalisateur de 53 ans, Tyler Perry, est une des personnes qui font souvent l'éloge de la femme du prince Harry, duc de Sussex, 38 ans. Le magazine People revient sur cette déclaration faite par le réalisateur de Madea lors du gala Baby de Baby à West Hollywood du mardi 15 novembre 2022. Tyler Perry a raconté comment Meghan Markle a aidé une famille dans le besoin pendant la période de pénurie de lait maternisé. Citant Vanity Fair, le magazine People rapporte que Tyler Perry a raconté qu'une employée s'est approchée de lui. L'employée en question cherchait désespérément du lait maternisé pour son enfant alors que c'était la crise. Monsieur Perry n'a pas pu trouver de lait maternisé malgré ses efforts. C'est alors qu'il avait décidé de se tourner vers Meghan Markle et le prince Harry. Le duc et la duchesse de Sussex se trouvaient au Royaume-Uni à ce moment-là. D'après l'estimation de People, l'époque coïnciderait probablement avec le jubilé de platine de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Meghan Markle, la duchesse de Sussex a trouvé du lait maternisé en pleine pénurie nationale ne trouvant pas le lait maternisé pour l'employé qui a sollicité son aide, le réalisateur américain Tyler Perry a pu compter sur l'ancienne actrice de Suits, Meghan Markle. La maman de Archie et de Lilibet, 41 ans, est partie à la recherche du lait maternisé elle-même, selon elle. Perry. La duchesse de Sussex a donc remué ciel et terre pour aider une mère en pleine pénurie. Le magazine People rappelle qu'il ne s'agit pas de la première fois où Meghan Markle et Tyler Perry s'entraidaient. Après le Megoi, Tyler Perry a permis au couple de séjourner dans sa maison de Los Angeles avec leur petit garçon Archie. Ce n'est que plus tard que les Sussex déménageront dans leur demeure de Monte Quito.